Rejoins tu as. Putain, la partie est complète. Aïe aïe aïe. Ok. Si était pas complet, c'est bon. On va pouvoir rejoindre. Green any food, ah ça c'est si on a de la bouffe. Bon ça c'est le pêcheur. Donc moi je dois utiliser ça. Alors comment on vole? Tous les coups, faut que je trouve un joueur ou la maison d'un joueur pour que je vole quelque chose. Allez, allez, allez. Oh putain, il y a quelqu'un. Attends. C'est un criminel lui aussi ou pas? Denis. Est-ce que Denis est criminel? Docteur criminel. Non, c'est pas un criminel. Alors, attends, on va essayer de voir si je peux me braquer. Ah ok, ça c'est le loup qu'on a. Oh merde! Oh merde! Oh putain, une mitrailleuse! Oh putain! Oh putain! Oh putain de merde! Ah j'ai pas prévu ça! Il est une putain d'AK-45! Oh putain de merde! Moi je me barre, je vais lui voler sa voiture. Est-ce que je peux lui voler sa voiture? Ah oui. Hop, je pique sa caisse. Adieu! Pas appris à conduire. Alors attends, par où on se casse là? Ah par là. Hop, je me barre avec sa bagnole. Alors, première chose réussite. Alors avis à première personne. Ah ils ont pas fait de vue de voiture à la première personne. Putain, voyons les buissons, on peut pas les traverser. Oh putain, il est en chie pour monter le trottoir. Oh putain, la physique du jeu.
Ok, ça c'est fait. Alors, nous sommes cachés dans la montagne. Qu'est-ce que c'est que ça? My furniture, sell home, TV remote, invite neighbor. Oh putain, on peut en faire des trucs. C'est pire que les Sims. D'accord, ça c'est si je veux personnaliser ma maison. Alors ça... Web sneak. Alors, qu'est-ce que je peux faire? D'accord, ça c'est les dance moves, on s'en fout. Alors, général. Adult kid baby. Holiday. Ok, bon, ça c'est pour les machins spéciales, je sais pas. Change RPNM. RPNM, je vais m'appeler Arsène. Arsène Lupin. Arsène. Ok. Ah tiens, je peux changer même mon visage. Face. Ah tiens, je peux changer mon visage. Il faut que je fasse un visage de méchant. Alors. Putain. Oui, ça c'est un visage de psychopathe. Il faut que je fasse vraiment un visage de méchant méchant. Il n'y a pas... Skin color. Non, je vais rester comme je suis au niveau de la skin. Salut Glorindor, tu es triste, oui. Salut Soma 711. Salut mon clé. Oui, bah bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Nous sommes 13, j'avais pas vu. Ah, désolé hein, à ceux qui sont là, je ne vous avais pas vu avec tous les Ghostfag. Je vous dis bonsoir. Bonsoir aux Ghostfag qui ne disent pas bonsoir, qui sont mal polis. Bande de connards de Ghostfag. Alors. Je regarde. C'est quoi ça? Putain, il y a de la thune. Je refais ma vie virtuellement en fait. Là actuellement, je suis un voleur, enfin une voleuse, qui s'appelle Arsène. Comme Arsène Wenger. Hop. On a le klaxon, les feux de détresse, DDB, bonsoir citron vert, Strune, bonsoir Strune, j'espère que vous allez bien. Donc je suis dans un jeu où je refais ma vie, j'ai décidé d'être un criminel, parce que ça a toujours été ma passion, hein. Vu qu'il n'y a pas de RSA, bah, j'ai décidé de voler les gens, d'une autre façon que le RSA. Oh putain, il y a quelqu'un. Et donc j'ai des outils de criminel. Ah, il y a quelqu'un qui court là. Je vais faire semblant de l'aider. Attends. Est-ce qu'on peut la renverser cette connasse? Oh merde. Ah, apparemment j'ai détruit ma voiture. Ah putain, j'ai plus de voiture, je suis redevenu piéton. Ouais. Attends, je vais essayer. De... File-moi ton scout, sale pute. Putain. Alors, prends mon flingue. Voilà, j'ai mon flingue, je vais essayer de l'attirer. Il sous le choncle, tristesse. Et oui, pas facile la vie, post Malone. Qui a créé le pseudo le plus simple du monde. Putain, attends, on voit que dalle là avec le...
Est-ce que je... Pourquoi je peux pas les tuer, putain, c'est con là. Je peux pas te buter, salope. Life is brutal. Eh oui, la vie c'est pas facile. Ah putain, mais ils sortent les menottes et ils cherchent à m'arrêter là. Ah putain, mais en fait je sors le flingue devant le commissariat, mais je suis con moi. Putain, j'ai sorti le flingue devant le commissariat. Oh le con. Putain, il cherche à m'arrêter. Je monte dans le bus, attends. Allez, ouvre ton bus, connard. Voilà, je grimpe. Je vais me faire passer pour un touriste. Hop, je suis gentil. C'est bon, j'évite les flics. En fait, c'était une voiture de flic. Et regarde, il y a au moins 3 poulets devant le machin. C'est pas facile la vie. Voilà. Alors lui, il est chauffeur de bus dans la vie. Oh putain de merde, on va crever! Oh putain, mais il est fou! Mais il sait pas conduire! Ah ouais, ok, elle a l'air un peu folle la meuf, elle conduit avec un hibou sur la... sur l'épaule droite. Oh putain, il y a quelqu'un qui nous a... il nous empêche d'avancer, cet enculé. Attends, je vais l'obliger à nous laisser passer. Ah, c'est bon, j'ai une bagnole, c'est cool ça. Du coup, plus besoin de prendre le bus. Attends, je vais retourner voir les flics là. Et leur montrer à quel point. Oh là, oh merde. Je les apprécie pas trop. Attends, c'est un flic ça? Ah oui, c'est un flic ou le SWAT là. Est-ce que je peux leur foncer dessus? Ah merde, putain, j'ai les loupé. Attends. Faut que je les shoot. Allez, dans votre gueule! Oh putain, je les ai bien shootés là. On va leur re-shooter dedans. Tac! Dans ta gueule! Oh putain! Comment j'arrête pas de passer dessus? Alors, ils sont où ces poulets hein? Ils sont là-bas, je vois qu'il y a un mec du SWAT. Je vais lui voler sa voiture du SWAT. Putain, le mec il est resté dedans. Oh putain, il y a un orage! Oh putain, il y a carrément une tornade! Apparemment, faut se mettre à l'abri. Putain, je vais essayer de shooter dedans. Je pense qu'ils exagèrent au niveau de la tornade. Ça va pas être si dramatique que ça. Voilà, il y a une alerte là. Putain, il y a une alerte en mode truc du mercredi. Mais non, il y a pas de tornade, il y a rien du tout. Là. C'est la panique là. On va aller dans le commissariat se réfugier. Yo, Amidou, ça va bien? Bonsoir, Francis Le Truand du 9-1. Il y a une tornade actuellement, je vais essayer de survivre. Alors, il est où le commissariat là? C'est quoi ça? C'est l'école, non ça? On dirait un bureau. Oh putain, l'alarme de fou qu'il y a. What? Pourquoi j'ai plus de voiture? Ok, j'ai plus de voiture et c'est l'apocalypse. Le truand du 9-1 Aya. Ah ouais, bah ouais, il doit dealer de la...
la coke ou de la veuve à des putes. Du coup, c'est un truand quoi. Attends, je peux pas diminuer le son du jeu. Hein. Je trouve un peu fort le son. Voilà, c'est un peu moins casse-oreille. Ah, apparemment, il y a une tornade. Elle est où la tornade là? Il y a deux tornades ou. Attends. On dirait que la tornade elle est par là. Je vais aller voir un peu par là. Ah, c'est ça la tornade. Ah non. Là, c'est la falaise. Je la vois pas la tornade. Ah, elle est où cette putain de tornade? Oh, il y a un bus là. Il y a peut-être plus de survivants, ils sont peut-être tous morts. Et on va prendre le bus pour aller voir où est la tornade. Il n'y a plus là le chauffeur. Allez, ouvre! Ah putain, je peux pas ouvrir. Ouais, attends, je vais enlever ça. Est-ce que je peux ouvrir? Non, je peux pas ouvrir. Ah putain, c'est la galère. La galère. Je te conseille Epic Minigame. Ah bon? Ouais, je ferai ça tout à l'heure, hein, Epic Minigame. Pour le moment, je teste les modes de jeu. Là, j'ai jamais fait sur. Oh putain, c'est la villa d'un riche, il doit avoir de la thune. Moi, je suis un criminel. Oh putain, un enfant! Hop, on sort le couteau. Viens là, mon petit. Viens là. Regardez ma tête derrière lui. J'essaye de buter ce gamin là. Allez, viens là, putain, saloperie, va. Saloperie de marmot là. Follow me, sweet little boy. Allez, suis-moi. Vole tout, vole tout. Ah ouais. Comment on fait pour rentrer dans cette baraque de merde là? Putain, j'ai envie de rentrer là. Je peux pas rentrer par là. Allez. Eh, il veut me suivre. Ah putain, il a fermé. Ah mais. Putain, on peut pas ouvrir cette merde là. Putain, je peux pas ouvrir sa putain de bagnole. Ah putain, il ouvre le coffre, n'importe quoi. Ah putain, il a dit non. Oh putain, c'est énorme. Putain, l'enculé là. Putain, je vais le buter, ce petit connard de gosse. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? On dirait que j'ai du mal à bouger. Putain, sale putain. Petit PD d'enfant, hein. Putain, on peut pas le buter, ça, c'est con, ça. Faudrait que je puisse le buter. Allez. Pourquoi je peux pas le tuer? Open the car. T'as voulu le tuer, mais il s'en fout. Bah ouais, il s'en fout, on dirait. Putain, mais il est vraiment. Hein. Attends, je vais. Comment on fait pour s'énerver là? Putain, je lui dégueule dessus. Ah, c'est énorme, putain, je lui dégueule dessus. Putain, tu me donnes envie de gerber. Putain, tu me donnes envie de gerber. Oh putain, mais c'est juste, je peux gerber sur le gamin quoi. Oh putain. Viens là, connard! Attends, je vais refiler mes microbes. Les gamins, ils sont plus sensibles aux microbes. Oh putain. Je suis à la poursuite de l'enfant. Viens là! Viens là!
Oh putain, il est mort, ça y est, je l'ai tué. Oh putain, j'ai un enfant sur la conscience, c'est mon premier crime. Ça y est, regardez, en plus, oh putain, je peux le porter. Oh putain, je veux le violer. Je veux violer ce petit enfant tout, tout innocent. Alors, où est-ce que je vais... Ah ouais, je vais... Si je peux, je vais le monter sur le toit. Oh putain. Alors attends, on va essayer de grimper sur le toit de la baraque. Voilà, je vais le foutre sur le toit ou sur une merde. Attends, je pourrais le mettre où? Dans la boîte aux lettres. Putain, je suis un kidnappeur d'enfants. Attends, je vais le mettre dans la... Ah oui, il y avait le coffre d'une voiture. Ah, je vais le mettre dans le coffre de la voiture. Il a ouvert le coffre tout à l'heure de la voiture. Je vais foutre dans le coffre. Je vais foutre l'enfant que j'ai kidnappé dans le coffre de la voiture. C'est énorme. Ah putain! Putain, il savait que j'allais le mettre dans le coffre. Allez, viens là! Viens là, connard d'enfant! Putain, il s'est échappé, il s'est réveillé, quoi. Attendez, faut que je lui recommence. Je vais lui dégueuler dessus. Ah putain. Viens là que je te dégueule dessus. Ah merde! Merde, il y a la police! Putain, il y a les keufs! Ah putain! Viens là! Ah putain! Ah non! Non! Il va me taser! Ah putain! Non! Il faut que je sorte l'arme. Est-ce que je peux tirer? Ah. Je vais voler ça. Je vais voler la voiture au flic, attends. Je vais me casser comme ça. J'en ai rien à foutre, je t'écoute pas, je suis un criminel. Tu trouves pas qu'Ali est un gros porc chauve? Je sais pas qui c'est Ali. Ah putain, je peux pas lui voler sa caisse. Merde. Putain, il a essayé de me taser! Couf, c'est dire quoi couf? Couf bring. Oh, putain, c'est rigolo ça. Allez, ouvre. Put back. Et bah ouvre ta porte, connard. Ah ok, ça y est, je suis dans... Ah merde, j'aurais dû cliquer direct dessus, c'est plus pratique en fait. Lock your door. Oh putain, je suis embarqué par les keufs pour avoir essayé de violer un enfant quoi. Ali, Ali. Sérieux, tu connais pas Ali? Bah non, je connais pas Ali. Mais... C'est qui Ali? Ali. Mais c'est qui Ali? Putain, vous voyez pas là que je suis... Je suis confus là, je suis arrêté par les flics pour avoir une tentative de viol sur un enfant quoi. Oh putain. Est-ce que je peux pas me barrer là? Ali, Alia. Putain, mais de quoi ils parlent ces fous là? Putain, il y a des fous sur mon Twitch là. Alors, j'ai tapé Ali gros porc, voir à quoi ça correspond. Ali gros porc. Big Ali le gros porc sur Abo à 16h. C'est le gros porc rappeur. À tous les Noélistes, je répète, à tous les Noélistes. C'est quoi ce truc? C'est un délire de 15-18 ça. Attends, merde, il va me dire quelque chose là. Ouais, faut que je sorte. Open door. Attends, je vais y vomir dessus. Action. Je vais vomir sur le flic. Attendez. Je vais rentrer dans le commissariat. Je vais essayer de lui vomir dessus. Et viens là. Viens là que je te dégueule dessus. Hop, je dégueule sur le flic.
This will be a long punishment. Oh putain! Ah non, il va pas m'enfermer longtemps, j'espère. Putain, je peux me barrer ou pas? J'ai quoi là? Ah ouais, j'ai un terrain de basket pour m'occuper un peu quoi, en prison. Qu'est-ce qu'il dit? Resetting won't work. Ah putain! Non! All of big. Putain, apparemment pour tentative d'agression sur un enfant, ma punition va être longue. À mon avis, je peux m'évader. Attends. Hop, je fais caca. Tout en dégueulant. Je chie et je dégueule. C'est la nature, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Je regarde ce que je peux faire d'autre. Ah oui. Ah voilà, pour faire caca. Ça sort mieux comme ça. Voilà. C'est pas beau ça. Bon, c'est pas tout ça. Et attends, qu'est-ce qu'il dit? You are going to be charged is worth 1000. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il dit? Charge for. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il dit? Carrying a weapon. Ah ouais, ok. Putain, il me dit tout ce que. Pourquoi je vais être jugé. Putain, mais il y a un juge dans le jeu ou pas? Kidnapping. Attends, qu'est-ce que je peux faire là? Est-ce que je peux pleurer? Cry. Bivia will not. Bah attends, mais je sais pas comment on sort là. Putain. Je suis en prison, mais je sais pas comment sortir. Hein. Ah putain, il dit jusqu'à la mort. Oh putain! Ah, je m'évade! Oh, bien joué! Il y a un mec qui m'a aidé. Vas-y, fous-le en prison! Mais non! Non! Mais enferme-le en prison, connard! Mais qu'est-ce qu'il fait? Enferme-le en prison, connard! Putain, attends. Il y a un mec qui est venu me libérer, putain, c'est énorme! Hop! Putain, c'est où la prison? Ah, je suis paumé, c'est trop grand! Putain! C'est où la prison, du con? Ah oui, ça c'est l'entrée. Alors, tout à l'heure, il m'a conduit par où il m'a. Non, ça c'est les toilettes. Office. Non, ça c'est le bureau. Putain, j'ai du mal à trouver. Interrogation room. Ouais, c'est par là, non? Oh non! Oh putain! Oh putain! Moi je m'échappe, attends, il a essayé de m'emprisonner cet enculé. Oh putain! Oh putain, il m'a niqué. Bah ça. Ah mais je pouvais pas, il a fermé les portes, enculé. Putain. Du coup, il va me refoutre en prison, quoi. Attends. Ah putain, là, je me barre. Je voulais l'emprisonner en fait. Faire croire que j'étais évanoui et me barrer. Quoi. Hop, c'est bon. On l'a. Allez, je me barre. Allez.
Je me barre avec sa bagnole. J'ai fait style de dormir. Alors attends, comment j'enlève ça? Ah oui, c'est comme ça. J'ai piqué sa bagnole de flic. Je suis une meuf totalement tarée parce qu'elle a jamais eu d'enfant. Ali, Ali. Mais putain, mais je sais pas qui c'est votre Ali là. Vous êtes fou. Putain. J'ai des Qataris sur mon Twitch ou quoi? Voilà. Alors, comment je fais? C'est quoi ça? C'est quoi Wall? Ah, d'accord. Bon, faut que je trouve d'autres joueurs. À faire chier. Faut que je retrouve ce petit enfant là qui m'a dénoncé au flic. Je suis totalement taré. Je m'en fous de toi. Faut que je retrouve le petit enfant là qui était. Qui m'a dénoncé au flic et pour lequel j'ai fait de la prison là. Je vais te retrouver, salaud. Je vais te retrouver, je t'oublie pas. Retrouve Ali. 5 étoiles. Ah ouais, là je suis en 5 étoiles. Hein. Si les flics ils me retrouvent, je suis dans la merde. Attends, je vais regarder la map. Ah voilà, on a la map. Alors tu dis que c'est Ali. C'était pas Ali qui m'a dénoncé. Faut que je retrouve. Je vais regarder dans le chat. Let's be kid. Il y a un enculé de petit là qui m'a dénoncé aux flics. Je vais essayer de le retrouver. Bon, on va retrouver la villa. C'est une villa de riche. Faut que je retrouve la villa de riche. Et si je le retrouve, je le bute. Bon allez, c'est parti pour retrouver l'enfant. Donc, pour rappel, je suis un criminel. J'ai fait de la prison. Mais j'ai réussi à m'échapper grâce à un compère. Et j'ai volé une voiture de flic. Et désormais, je vais devoir accomplir ma vengeance. Qui est de retrouver le petit enfant qui m'a dénoncé à la police. Pour essayer de le violer. Et je vais donc le tuer. C'est parti. Il est où cette petite enfant? Putain, mais elle va où? Elle est longue cette route, elle va où en fait? Ah, elle fait le tour, c'est bon. Ah ouais, les villas, elles sont là. Ah ouais, je vois les villas. Ah d'accord, il y a des big villas. Donc on va faire le tour et on va retrouver ce petit enculé d'enfant qui m'a envoyé en tôle. Et je suis putain de vénère pour ça. Hein? On va mettre les émotions pas colère, pas contente. Attendez, c'est quoi l'émotion pas contente? Elle est où? Attendez. C'est quoi? Non, ça c'est dégueulé. Ouais, bon, on retrouvera ça tout à l'heure. Alors, je suis loin de la civilisation par là. Ah oui, donc faut que je rejoigne la route là. Ah putain de merde! C'était pas une route, c'était une falaise. D'accord, mais c'est bon. Ça va. Attends. Oh, ok, la bagnole est coincée. Putain, j'ai coincé ma bagnole de flic quoi. Ah putain. Ah la galère. Bon, on a coincé une bagnole de flic. Mais ça me dit quelque chose, c'est pas l'endroit où j'étais tout à l'heure, là où il y a le petit enfant, c'est sur la gauche, je crois. Je vais le retrouver, ce petit salaud. Alors, je dois retrouver une maison de riche avec une belle villa. Je vois, il y a un truc là-bas. En plus, il fait beau. Alors, je vais reprendre mon arme. Et je vais le retrouver, ce petit enculé d'enfant hein, qui m'a dénoncé au flic. Alors, il est où? Où est la villa? Celle là-bas, si c'est peut-être celle là-bas. Attends, je vais aller voir la maison rouge là-bas. Salut Yanis, criminel 75. Moi aussi, je suis un criminel. Je suis une femme pédophile qui essaye d'assassiner des enfants. Un enfant m'a dénoncé au flic, je sors de prison. Et donc mon but c'est de rechercher l'enfant qui m'a dénoncé.
Il habite une belle maison. Alors je vais essayer de le retrouver et de le tuer. Comme ça. Hein. Alors. Putain. C'est ici. Non, ça ressemble pas à sa maison. Hein. Je regarde, il y a un enfant ici. Je vois pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant ici. Non, c'est. Non, elle était pas comme ça, sa baraque. Putain, je deviens fou, quoi. Elle est où la baraque de l'autre PD? Faut que je retrouve une caisse. J'avais volé une voiture de flic, mais elle a fini à la casse un peu. Putain. C'est quoi ça? C'est de l'eau? Ah ouais. Faut que je fasse gaffe. Je sais plus où il habite cet enfant. Tu as l'air triste, est-ce que tu as besoin de parler? Oui, je suis triste parce qu'un enfant m'a dénoncé à la police. J'ai fini en prison. Et je cherche cet enfant pour me venger. Alors. Non, c'est pas ici. Putain, mais elle est où cette villa de riche? On n'est jamais en sécurité avec moi. En plus, il fait nuit, c'est parfait pour m'attaquer à une proie. C'est vraiment idéal. Alors, c'est pas ici non plus. Ah, il habitait une big maison. Alors, attends. Est-ce que c'est ces grosses maisons? On va aller voir. Attends, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est peut-être le gamin. Je vois. Ça, c'est... Il est dans la maison, il est au calme. C'est peut-être le gamin qui est là-dedans. On va aller voir. Ah oui. D'accord. Ah oui, il y a plusieurs personnes dans cette maison. Ouais, ce serait idéal. Oh, je vois une voiture. Peut-être qu'il est chez un ami. C'est parfait. En plus, on est à la nuit. On va regarder. Oh putain, des enfants. Oh, des enfants. Oh, c'est parfait ça. Des enfants. Allez hop, on va y aller discrètement. Hop, voyons voir ça. Ça, c'est des enfants. Ils ont la taille d'enfants, non? Non, c'est pas des enfants ça. Oh putain! Ah putain, il y a un gars qui est mort. A priori, il a été écrasé par le bus. Je sais plus quoi faire du coup. Faut que je retrouve une maison avec des enfants. Alors voyons voir les maisons. Il y a des maisons qui sont occupées un peu par là. Mais si je parviens à mon but... Oh, c'est quoi ça? C'est un centre commercial? Et je tente. Ouais, c'est parfait.
Self-service, mais je m'en fous de tout ça. Est-ce que je peux voler la caisse? Elle est où la caisse? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Putain, j'entends des bruits bizarres. Il y a des gens qui font l'amour ou quoi? Je redescends. Ils sont où ces enfants? C'est parfait. Putain, je vais la prendre en otage. Putain, je vais mettre give me the money or I kill give me the money or I kill the child. Fais-moi ton machin. Ah, ça c'est la boîte de nuit, putain. Putain, ces saloperies, ils ont prévenu les flics. Ah, attendez, on va essayer de les semer par la boîte de nuit. Ils vont pas savoir où je suis. Je vais essayer de voler une bagnole de flics. Voilà, ils savent pas où je suis. Et je vais leur voler la bagnole de flic, je vais m'échapper. Je kidnappe la fille. Allez hop. Oh putain! Je me suis enfermé dans le coffre aussi! Ah putain! Salope! Putain, salope! Elle s'est barrée de mon coffre! Du coup, je me barre avec la bagnole de flic, je m'en bats les couilles. Putain. Putain, quelle salope! Voilà. Bon, du coup, je vais remettre ça. Oh merde!
Putain, j'ai fait un tonneau avec la caisse. Salut, doucement avec les insultes. Ah, désolé. Désolé hein, si vous êtes choqué. Oh putain, j'ai fait un tonneau avec la caisse. Oh là, oh merde, je suis coincé dans la caisse. Au secours. Oh putain, je suis coincé dans la caisse. Attendez. Ah putain. Merde. Ah putain. Merde, c'est vrai que je pouvais retourner à la caisse, je crois. Attends. Ah, je suis coincé. Ah, j'ai besoin de l'ambulance, là. J'ai eu un car accident. Oh putain. Ah ça craint là. Ah j'ai eu un accident de bagnole là. C'est con pour un criminel hein. Avoir un accident de voiture avec la caisse de flic qu'on a volée. Putain. Et en plus je peux pas repasser hein. Ah je suis en mode passager. Ah ça y est, quelqu'un m'a aidé. Ah la bagnole elle s'est elle s'est effacée. Bon bah du coup je suis toujours sur la recherche. Oh putain il y a quelqu'un là-bas. Ah putain, du sang frais. Donc, rappelons, j'ai eu un accident de voiture en essayant de voler une voiture. Et auparavant j'ai essayé de kidnapper un enfant. Oh putain, il a kidnappé un enfant. Ah merde, je peux pas le kidnapper. Attends, je vais lui demander give me the kid. Give me the kid. Oh putain, oh oui, parfait. Hop, j'ai le gamin, c'est bon. J'ouvre le coffre. Ah merde, je peux pas le mettre dans le coffre. Ah putain, je peux pas voler les caisses. Je vais mettre give me the car. Give open the car. Open the car. Or I shoot you. You gonna have a bad time, kid. Attends. You can't kill us. Putain. Pourquoi je pourrais pas le tuer? Putain, mais il veut pas jouer RP lui. Qu'est-ce qu'il dit? Killer. Oh putain, il essaye de me tuer! Ah non, c'est bon. Ah, vas-y, on essaye de le tuer. Call 911, n'importe quoi. Ah putain. C'est bon. Moi je suis une criminelle alors faut que je joue mon rôle. Hein. I'm trying to kill the killer. Putain. Vas-y, il me casse les burnes là. Oh putain, il y a un scooter, c'est parfait. Je vais prendre le scooter. Ah, mais pourquoi je peux pas le prendre, putain, attends. Allez. Putain, je peux pas voler le scooter. Vas-y, il y a des trucs que je peux pas voler. Là. Putain. Bon, faut que je trouve une autre maison. Là. Alors. Qui c'est qui a à faire chier Ah, au sud, il y a des gens. Là. Enfin, moi, je suis où? Je suis là. Il y a des gens par là. Donc il y a peut-être une maison. Alors attends, il est par là. Ah oui, par là dans le coin, il y a beaucoup plus de people là, par là-bas. Ouais, mais j'y suis déjà allé. Ils doivent être en train de me chercher, les flics. Du coup, je vais aller dans la maison isolée là-bas. On va aller dans la maison isolée pour voler une bagnole. Et peut-être kidnapper un enfant. Bon, pour le moment, j'en suis à deux tentatives de rapping d'enfants.
Et malheureusement, mes deux tentatives ont échoué. Il y a une fois où j'ai fini au commissariat, et la deuxième fois où l'enfant s'est barré, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que je kidnappe des enfants et après je les revends sur le marché noir, ce qui me permet de gagner de l'argent dans le jeu. Tout simplement. Voilà, on se dirige, voilà, c'est la maison en face. Voilà, t'as la maison là et t'as la maison à côté. Tiens, ça me dit quelque chose, cette baraque. C'est pas la baraque du riche, hein? Non, c'est pas la baraque du riche. Il y a une maison d'un gamin riche que je suis en train de chercher, qui avait une belle voiture et qui m'a dénoncé aux flics. Et donc, je cherche à me venger de ce séjour en prison. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Okay. Ah oui, il habite dans la petite maison rouge, le mec. Je vais essayer de rentrer dans sa maison et de lui voler ses affaires. Derrière la haute, il est en train de se masturber ou quoi? Il fait quoi? Il regarde la télé. Je peux pas rentrer dans sa baraque là. Putain, je vais faire le tour. Je vais voir si je peux pas rentrer par quelque part. Ce serait intéressant que je puisse rentrer dans sa maison. Fais-moi rentrer là. Il n'y a pas moyen de rentrer. Hein. Non. Il regarde un match de foot. Je regardais les possibilités qu'on a dans le jeu. Hein. Buy véhicule, my véhicule, remove véhicule, ça c'est machin. Music on, ouais. Bon. Ça marche pas, le mec est bloqué devant sa télé et sa maison est fermée. Oh putain, on dirait qu'il y a des flics dans le coin, il y a un mec qui se dirige ici en voiture. Attends, je vais regarder ce que c'est. Attends, il s'est arrêté, il est par là-bas, il arrive dans le coin. Ah non, c'est bon, c'est une bagnole. C'est une bagnole normale. Je vais faire semblant d'être injurié. Attends, attends, attends. Comment on fait? Oh! Allez, regardez, il va s'arrêter. Eh, j'ai volé sa caisse! Oh putain, c'est trop beau! Oh putain, j'ai volé sa caisse! Ah merde! Ah merde, y a plus de caisse! Attends, du coup, je vais me venger. Putain, il a fait réapparaître sa caisse! Putain, le salaud! Putain, j'ai failli lui voler sa caisse là! Je vais attendre qu'il descende et je vais mettre. Attends, je vais parler. Je vais mettre OK Kid. Now give me your car.
Ah putain, c'est barré. Ah le salaud quoi. Bon bah, deuxième tentative de kidnapping qui a échoué. Enfin, troisième, pardon. Troisième tentative de kidnapping d'un enfant qui a échoué, malheureusement. Je ne sais plus quoi faire, hein. Je ne sais plus à qui m'en remettre. Putain, je suis monté aussi haut que ça avec la caisse. Alors, on va voir ça. Ah, là, il y a l'hôpital, les flics qui sont là. Putain, en fait, ils se concentrent tous au sud. Moi, je suis où là? Ah, je suis là. Attends, il y a une maison par là. C'est pas la maison du riche gamin là? Non. Non, non, non. Bon, bon, bon. Ça, c'est le magasin. Ça, c'est. Ah, les. Celui qui est là, je sais pas qui c'est. Là. Je vois qu'il y a deux personnes. On va se diriger vers la maison. Si je trouve personne, je change de mode. Hein. Mes tentatives de rapping d'enfants ne sont pas très efficaces, malheureusement. Ah, mais il reste plus qu'un gamin en fait sur le serveur. Putain, c'est nul ça. Ah non, Teen Kid, il reste un peu quand même. C'est des ados après, c'est moins intéressant. Il y a des voitures là-bas, dis donc. Oh, mais ça ressemble au...
Une voiture de sport là-bas. C'est peut-être le gamin qui m'a dénoncé aux flics, ça. Ah ouais, c'est ici. Je crois que j'ai retrouvé la maison du gamin qui m'a dénoncé aux flics. Il était ici, ce petit salaud. Ah ouais, donc il est encore là. Quoi. Ça, c'est, ça rend. Oh putain, j'ai une bagnole de sport, c'est parfait ça. Parfait. Je prépare le coffre. Et on va mettre le gamin. Je lui dis de venir. Je vais dire, j'ai des jouets aussi. Un toys. Putain, mais il veut pas venir, hein. Viens, mon petit. Viens. Dans l'allée. Voilà, je suis prêt à mettre l'enfant dedans. Voilà, c'est bien ici. Ça, je mets l'enfant ici.
Attends, je vais faire croire que je suis évanoui. Il va se barrer de la bagnole. Il me voit plus dans la caisse, tu vois, il va trouver ça bizarre. Je fais demi-tour et je lui tape dessus. Hop, c'est parfait. Ah merde! Ah bah c'est bon. Il est dans mon coffre. Ah putain, on peut même plus kidnapper des enfants tranquille. Vas-y, j'ai pris une voiture trop petite pour mettre le corps dedans. Ah merde, je peux plus prendre la voiture. Du coup, je vais voler sa bagnole à lui. J'ai pas le choix. Attends, je vais redescendre et je vais essayer de les écraser. Je vais faire un demi-tour en 3 temps et je vais écraser l'autre PD. L'autre PD de fermier qui m'empêche de voler des gamins.
je peux pas voir la bannière. Merci, j'ai une bagnole de flic. Ah merde! Putain, ils m'ont volé ma caisse de flic. J'essaye de semer ce putain de poulet là. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Non! Putain, saloperie va! Qui est lui? Ah non! Parfait, ils m'ont même pas, ils m'ont mis direct en prison, mais ils ont pas fermé la porte de la prison. Qu'est-ce qu'il y a ici que je peux faire sinon?
Je vais tester un autre mode là, je suis un peu lassé.